Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfucking bird, oh -oh! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TW 2016. On est au Royal Rumble ce soir. On a toute une carte pour le Royal Rumble. On a le 30-Man Rumble avec les participants euh, dont j'ai mentionné lors du dernier vidéo. On a aussi Sid, 5 Sid qui va défendre son titre de champion de la WWF contre l'Undertaker. Avec tout ce qui s'est passé, euh, ça fait à peu près un an là, que ce storyline-là existe. Euh, et là, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans, les, dans le dernier mois, surtout Sid qui voulait aller, aller chercher de l'aide d'un petit peu de tout le monde, euh, tous les managers de Hill. Et finalement, euh, Million Dollar Corporation ont été, mais ils ont été euh, accueillis par le bassman et sa gang. Donc, est-ce qu'ils vont vouloir remettre leur nez là-dedans? On ne sait pas. On a les Natural Disasters qui vont défendre les titres par équipe contre les Steiner Brothers. Le match revanche des Steiners après que Earthquake ait brisé la jambe de Rick. Rick est revenu et c'est le match ce soir. On a les Legion of Doom qui vont affronter euh, les Edge Shrinkers dans un Chicago Street Fight. Euh, Mr. Wonderful Paul Orndorff va défendre son titre du Smoky Mountain Wrestling contre Marty Janetty. Le Birdman Coco Beware va affronter Vader Vader qui est sur un patte de carnage depuis ses débuts et ça sera à Coco à arrêter Vader. The Envil Jim Nider va avoir son match contre Kama finalement. Un match qui était supposé d'avoir lieu il y a quelques mois. Kama s'est blessé. Il euh, est revenu par la suite et il est embarqué dans un autre storyline. Donc on aura notre match qu'on aurait dû avoir il y a à peu près 5-6 mois de ça. Et on a aussi le euh, Match Royal Rumble. Donc voilà. Voilà voilà. On avance au Rumble. Euh, on a encore les mêmes euh, câbles distributeurs qu'on avait avant. C'est juste pour Raw que ça a changé. Petit euh, medal, Wallet, Furnace, ça fonctionne. Ils sont des bons amis maintenant. Euh, J'ai dit qu'on ferait ça à Chicago dans les grands lacs. Le Métrodome, c'est où ça le Métrodome? À Minneapolis. C'est une place de 50-60 000 à Chicago. Le Hoosier Dome ou le Métrodome? Hmm. Ben, ça sera pas à Chicago. <laughs> Ouais, ou Metrodome. donc ça sera un Minneapolis Street Fight à la place d'un Chicago Street Fight. Puis je serais pas surpris, puis, je pense qu'ils viennent pas être de, de Minnesota d'ailleurs, les Legion of Doom. Je pense. Parce que des amis à Mr. Perfect Recruit. Puis euh, Barry Darso. il me semble qu'ils viennent tous de, du de, de Minnesota. Fait que ça c'est tant mieux. Donc on s'en va. Booking. Le Rumble. Alright, je boucle ça, le Royal Rumble, on vient avec les résultats. À tout de suite, qui sera le challenger et qui sera le champion pour WrestleMania C'est ce qu'on va savoir à tantôt. All right, on est prêt pour le Royal Rumble, notre premier pay-per-view de l'année. On débute le road to WrestleMania. On est au Metrodome pour le show. On a, euh, je pense, 5 matchs de pre-show, pas certain. On commence avec un 6-man tag team match. Le Camp Cornette de Austin Idol, Buddy Landell et Carl Styles vont affronter le 1-2-3 Kid, Henry Godwin et Ice Train. Et ce sont les Hills qui vont gagner euh, lorsque Austin Idol va défaire le 1-2-3 Kid par soumission après l'interférence de Jim Cornette. Donc, Jim Cornette, qui fait encore des siennes, va interférer dans le match et va donner la victoire à son équipe. Côté performance, Ice 47, 52 pour Henry, 55 pour la 123 Kid, 42 pour Carstar, 52 pour Landel et 45 pour Austin Idol. Henry Godwin va améliorer ses performances et Buddy Landel ses Rumble Skills avec ça. Donc un bon euh, opener pour le pre-show. Par la suite, on a une promo de Men on a Mission qui font leur début à WWF. Donc, ils ont, ben, on les a vus quelques fois, mais là, ils ont été rappelés. Donc, ils vont faire une petite promo. Puis là, euh, je ne sais pas pourquoi mais mes était ill fait qu'il faut que je mette mon face. <laughs> c'est pour ça que je leur fais faire une petite promo en pre-show, juste pour, euh, pour s'introduire. Hein, dire c'est qui, Men on a Mission. Donc, euh, voilà, petit, petit segment euh, Pre-show 37. On a par la suite un 10-Man Tag Team, un 5 contre 5. Solard avec Eddie, Hector Guerrero et les Shining Force vont affronter Cal Wallet, Tom Brandy et Paul Roma. Et well done. Euh, Rougeau est dans le Rumble. Wallet ne l'est pas. Donc voilà comment on fait ça. 55, ça donne un 62. C'est la victoire des euh, Heels lorsque Cal Wallet va défendre Hector Guerrero avec son Jumping DDT. Côté performance, 62 pour Hector chez les Faces, qui a la meilleure. Et Paul Roma, 66 chez les Heels. Pas mal d'amélioration avec ce match-là. C'est la raison pour laquelle on fait des, des, des multi-man matchs en pre-show. Un petit peu comme New Japan Pro Wrestling font ça souvent dans leur show. Là. All right. Singles match, par la suite, Crush va affronter Rambo et Crush l'emporte avec un Chokeslam en 5 minutes 17. Donc, juste un petit squash match pour Crush dans le euh, pre-show. 62. Et je pense que c'est le dernier match, mais je ne suis pas sûr. Un autre 10-man tag team, les Smoking Guns, Leaf Cassidy, Scott Poudski et Stan Lane contre la New Zealand Militia, Rob Price et Lightning and Thunder. Et ça se termine en faveur des Faces lorsque Leaf Cassidy va défaire Lightning avec un Snowplow. Côté performance, 64 pour Cassidy qui a la meilleure dans les Faces et 51 pour Rob Price chez les Heels. All right, on commence au... <laughs> Avec un 4 à 27! On commence le show avec le match pour les titres par équipe. Les Steiner Brothers contre les Natural Disasters. Le match revanche. Les Steiner qui avait gagné un match tag team, un, euh, un four corner elimination match, qui avait gagné, qui les avait proposés comme number one contender à quelques mois seulement après leur arrivée. Donc, une, comme une genre d'entrée fulgurante à WWF. Et dans le title match, eh bien... Euh, les Disasters avaient gagné, encore une fois avec l'aide de tout le monde. Je pense que c'était Jerry Sacks qui était venu. Euh, ah en fait non c'est ça, c'est ça qui est arrivé. Ouais Jerry Sacks était venu avec Rod Price. Et là, les Legion of Doom étaient venus pour les aider, mais il y avait une mésentente et les Legion of Doom avaient attaqué sans faire exprès les Steiners. Et les euh, Disasters avaient retain. et après ça on a eu un 3 Men Elimination Tag Team qui était le main event euh, d'un autre pay-per-view et euh, Legion of Doom avait éliminé en premier, il restait les Steiners et les Disasters et Earthquake avait fait le Earthquake Splash sur la jambe à Rick Steiner, brisa la jambe à Rick, Scott était 1 contre 2, Scott a perdu. Et là, les Steiners sont de retour et les Steiners affrontent les disasters dans leur match revanche. Et euh, ben, il n'y aura pas personne qui va interférer dans ce match-là. Euh, et ça va se terminer en faveur des Faces. Les Steiner Brothers vont devenir les nouveaux champions par équipe lorsque Rick Steiner va défaire Typhoon avec le Steinerizer. Euh, donc un match, un gros match de 97, les Disasters qui font méchant travail depuis euh, qu'on qu les a Mais là c'est le temps des Steiner, les Steiner Brothers l'emportent donc Et euh, dans le match, euh, Scott Steiner qui a fait un body slam au gros earthquake, ça a fait que, capoter la foule Tout un match là, pour ouvrir le show, 20 minutes 47, donc un très long match en plus Et ben, victoire des, des Steiner Brothers qui vont commencer leur règne, il n'y a pas assez de selling ça nous donne quand même un strong start et mis le crowd hotter. 97, 100% pour les deux Steiners qui nous donnent toute une performance. 91 pour Typhoon et 95 pour Earthquake qui améliore ses techniques avec ça. Et euh, je pense que c'est ouais, la gimmick de Typhoon qui va devenir un powerhouse. Je ne sais pas c'était quoi. Donc victoire des Steiner Brothers pour commencer le show. Donc un changement de titre. Les Disasters qui étaient champions depuis un bon bout de temps. Les Steiner Brothers sont les nouveaux champions par équipe. 97. Puis ensuite, on, a, on va avoir plusieurs promos du genre là, dans la soirée. Randy Savage qui va parler du Royal Rumble, qui sera le main event ce soir. Savage qui dit que euh, c'est lui là, le, euh, qui est comme le, le vétéran, comme le, le plus. Pas la, la plus grosse star, même si oui, mais tu sais, c'est comme lui qui, qui mène le règne là, euh, à WWF et Savage qui veut avoir un match revanche contre Sid et il parle de beaucoup de monde dans le Rumble. Là. Il va parler surtout du Bad Guy Razor Monde qui a une petite rivalité avec lui dans la fin de Perfect et Rude. Et Savage qui, euh, qui entend bien aller chercher une victoire. Savage qui a l'air satisfait de sa pige. Donc on, Savage qui euh, se fait demander c'est quoi ton numéro. Je peux pas le dire, mais c'est un bon numéro. 100%. Euh, Marty Jannetty a une promo par la suite. Il va affronter Paul Orndorff pour le titre du Smoky Mountain Wrestling ce soir. Donc, Jannetty qui dit que c'est la première fois que Orndorff va défendre le titre à WWF dans un pay-per-view. Et euh, il a triché là, pour aller chercher la victoire contre le partner de Jannetty, Leaf Cassidy, qui a eu son title match. Et là, ça sera autour de Jannetty. Et Leif Cassidy sera là pour s'assurer que le Cam Cornet fasse pas trop de shenanigans. Donc 91 et euh, Jannetty qui dit « On a déjà eu un changement de titre ce soir, pourquoi pas un deuxième? » On a notre match par la suite, Coco Beware va affronter Vader et Vader va avoir son match le plus long depuis qu'il était à la WWF. 16 minutes pour battre Coco. Coco qui était euh, très résilient, hein, qui a dégagé de bien des affaires, Il était slippery et tout. Et euh, on a juste un 70 parce qu'il avait un low heat. Et je suis surpris des performances de Vader, je m'attendais à des 90 assez vite pour mon boy Vader comme idée de l'amener puis qu'il devienne champion rapidement mais ça sera peut-être pas ça finalement. Euh, Vader l'emporte avec son Vader Bomb en 16 minutes 32 puis en même temps je voulais pas mettre Vader dans le Rumble parce que ça fait pas longtemps qu'il était avec nous. Euh, puis c'est ça, donc euh, Vader l'emporte 70 pour la match, 72 pour Vader qui reste toujours invaincu. On a comme deux monstres invaincus là, hein, Diesel et Vader qui sont un, sont un petit peu les deux euh, sous la même patte. Là. Euh, Diesel lui sera dans le Rumble parce qu'il s'est qualifié plus tard. L'Undertaker fait une promo par la suite, Taker qui est encore une fois avec le casquette avec la face de Sid et Taker qui dit que ce soir ben c'est en fait, ça va se concrétiser, l'Undertaker va redevenir champion et Sid va être remis à sa place pour ce qu'il a fait à Paul Bearer, pour ce qu'il a fait à l'Undertaker et euh, l'Undertaker donc euh, est prêt et Taker qui dit que euh, je ne sais pas qui qui va venir aider Sid, c'est quelqu'un qui va l'aider mais on sait que la corporation quand ils ont essayé de venir L'équipe du Big Bossman sont venus. Donc, Taker qui dit qu'il n'y a pas besoin de personne, mais que c'est sûr qu'il a apprécié l'aide de Bossman et compagnie. 100% pour la promo de l'Undertaker. Par la suite, on est dans le vestiaire de la Million Dollar Corporation. Ted DBAC qui dit, justement, il va dire bon, on vient d'entendre Taker. Il dit regarde, on ne mettra pas notre nez là-dedans. c'est pas notre bataille. C'est des bains smart, Il voulait bien payer, mais là. On n'a pas le goût d'aller encore se prendre avec Big Bossman puis et cette gang-là. Par contre, dans le Rumble, on a trois chances de gagner. Le Bam Bam Bigelow, IRS et Tatanka seront les trois du Royal Rumble. Donc, on a, on a trois chances d'aller chercher ça. Et euh, la Million Dollar Corporation qui, euh, encore une fois, là, si on rencontre le Bossman, Akim euh, ou Barry Windham dans le Rumble, ben on va s'en occuper. Donc, une petite promo là, du Million Dollar Corporation pour le Rumble. On a notre match par la suite pour le Smoky Mountain Wrestling Heavyweight Championship. Et malheureusement, ça ne cliquait pas en Et Orndorf, ça nous donne juste un 75. Je pense qu'on a eu quelque chose de quand même pas mal mieux. Peut-être un 85 sinon. Euh, ça se termine en 17 minutes 4. Euh, Paul Orndorff va conserver son titre. Buddy Landell va venir. Euh, Leaf Cancelli va s'occuper un peu des autres, mais Buddy Lendell va réussir à prendre la raquette de Jim Cornette et va arriver dans le ring. Il va donner un coup de raquette dans le dos à Janet. Paul Under va terminer ça avec son Spike Pile Driver et Mr. Wonderful. Paul Under va garder le titre de Smoky Mountain Heavyweight. Donc on continue de garder un petit peu de heat sur le Camp Cornette en gardant Paul Under champion. Quatrième défense de titre pour Mr. Wonderful qui améliore ses performances avec ça. Ça nous donne un 75. Donc c'est dommage que les deux cliquaient pas. Je pense qu'on aurait eu au moins un 85. Bret de Hitman Hart par la suite fait une promo pour le Rumble, euh, Bret Hart qui dit qu'il euh, a été sur le shelf là, longtemps à cause de Sid et à cause d'Owen, comme il a dit souvent, il dit moi je veux juste ma, ma revanche contre Sid, que ce soit Sid ou l'Undertaker, Bret Hart dit dit le Rumble c'est mon événement cette année, euh, Wrestlemania c'est mon événement cette année, c'est l'année de Bret Hart le retour en force de l'excellence de l'exécution et euh, j'ai plusieurs choses à régler mais ce soir on commence ça donc le redemption elle commence avec la victoire en rumble pour le Hitman ça donne un 98 par la suite les brainbusters sont backstage Les brainbusters qui sont les deux bien souriant, content de leur numéro qui ont pigé. et ils vont parler du Rumble aussi. Arne Anderson, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé mais il a déjà fait une grosse impact et euh, ils ont l'intention d'aller chercher les titres par équipe éventuellement mais en attendant ce soir, on se concentre sur le Royal Rumble et on se concentre sur le Canam Express. Si on voit Phil LaFon ou Dog Furnace dans le Rumble, on n'hésitera pas à les sortir mais ce serait surprenant qu'ils soient là quand on va arriver. <laughs> Parce qu'ils ont pigé des bons numéros. 97 pour la promo de Anderson et Blanchard. On sait qu'ils avaient battu les Canam Express. Et dans leur deuxième match, ça s'est terminé avec un 20 minute time limit draw. Donc Canam Express, on essaie de les booster avec les Brainbusters. Ça donne un 97. On a notre match par la suite singles entre Jim Nidert contre Kama, un match qui avait dû avoir lieu il y a quelques mois et Kama qui voulait avoir son match à cause de sa blessure. Jim Nydert qui a dit oui. Il a laissé sa place dans le Rumble pour avoir un match singles contre Kama. Et Jim ne voulait pas perdre, mais je m'en fous, je ne l'ai pas protégé rien. Kama l'emporte en 17 minutes 40 avec un Dead Valley Driver. Il va réussir à prendre le gros Nidert sur ses épaules. Dead Valley Driver. Kama l'emporte. Clean en 17-40. Zélé Millerman n'a pas interféré dans le match. Il était là, mais Dad donc on essaie de euh, montrer Kama comme étant un legitimate contender là, pour un Tid Singles. Ça donne un 86, 77 à Kama et 76 pour Nider qui améliore ses performances. On a pas ajouté une promo de Sid. Sid qui dit que, comme il a dit, là, il n'y a pas de besoin de personne pour battre l'Undertaker. Il dit, et euh, le monde dit ce que j'ai peur parce que j'ai vu ma face sur le casquette. Il dit, c'est vrai que ça a été surprenant, mais l'Undertaker, WrestleMania l'année passée, je l'ai battu. Il dit, ce soir, ça va être la même chose. L'Undertaker, je m'en occupe. Donc Sid euh, qui veut garder son titre et, et, et qui veut affronter le gagnant du Rumble à WrestleMania, 100%. Owen Hart fait une promo par rapport au Rumble. Owen Art qui dit que là, c'est avant son combat contre Bret Hart, il y a eu Ruddy Piper qui est, qui est embarqué là-dedans. Le British Bulldog, Jim Neidhart, Brian Pillman. Les, 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 les membres du clan Hart s'arrêtent pas de Moi, moi je suis tout seul. Owen Art est tout seul. Il affronte une armée, mais ça va prendre plus qu'une armée pour sortir Owen Hart du Royal Rumble. Owen Art qui a l'intention de... Gagner le Royal Rumble, le Blackheart, le seul méchant dans le clan des Hearts. Donc, Owen Hart qui dit que va s'occuper du Bulldog, de Pillman et de Bret Hart ce soir, 93, pour la promo. Et on a le match pour le titre de champion du monde, donc avant le Rumble et avant un autre match. Je ne voulais pas mettre les deux matchs back-to-back. Back. Euh, ça se termine en 18 minutes 4. Qu'est-ce qui va se passer C'est que L'Undertaker concide. Undertaker va faire son entrée avec les druides et avec le casquette avec la face de site Des Spark casquette Match, mais il va quand même laisser le casquette. Euh, le casquette, là. Euh, sur le. Sur la rampe. Et euh, ça a pris là. Il y avait, il y avait un bon. Un, un bon 6 euh, bon druide qui amenait le casquette. Et là, il avait l'air de trouver ça pesant, le maudit casquette. Et finalement, ben, euh, Sid contre Taker. Ils vont se battre. Et il n'y a personne qui va venir à l'aide de Sid. Le Minder Corporation ne va pas venir. Tous les managers qui essaient de courtiser. Il n'y a personne qui s'intéressait tant que ça. L'Undertaker va faire un euh, chokeslam à Sid. Et va être en position du Tombstone Pile Driver. Il y a Sid sur son épaule. Et là, POW Le casquette va s'ouvrir. Et. Nul autre que Yokozuna qui va sortir du casquette, pas en rapport avec l'Undertaker. Yokozuna va donner une savate à Paul Bearer, Paul Bearer va tomber à terre, l'Urne va tomber à terre, et là Taker qui voit ça, se demande qu'il va lâcher Sid, et euh, Taker va descendre, euh, descendre en bas du ring, Il va commencer à brawler avec Yokozuna, bang bang, 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 boom. et euh, Sid va descendre à l'extérieur du ring, Il va attaquer l'Undertaker pendant ce temps-là. Et là, euh, Crash va arriver aussi. Fait que là, ils vont être 3 contre 1. Crash, Yokozuna et Sid qui vont attaquer l'Undertaker. Yokozuna va faire un banzai drop à Taker. Euh, pendant ce temps-là, l'arbitre était au sol. Euh, faut, faut le dire, sinon il serait disqualifié. Là. Yokozuna va faire un banzai drop à l'Undertaker. Et euh, Sid va relever Taker. Powerbomb. Taker est lifeless. 1, 2, 3. Victoire de Sid qui va garder son titre contre l'Undertaker avec l'aide de Yokozuna et de Crash. Donc euh, il a réussi à trouver quelqu'un pour l'aider Et euh, Paul Bearer qui est mal en point Après ça, Sid qui reste champion Ça fait longtemps qu'il est champion Sid J'ai hâte d'y enlever la belt, <laughs> Mais pour l'instant il continue Il donne un 86-90 pour Taker Et euh, après le match En fait ils vont amener le cercueil Crush avec, avec Sid Et il, il, en fait ils vont mettre l'Undertaker dans le cercueil et ils vont fermer le cercueil. Et là, ils vont commencer à brasser le cercueil. Ils vont réussir à, à, à lever le cercueil. Là, garrocher euh, à terre. Et euh, genre, de l'autre bord de la rampe. Là, l'Undertaker qui doit bouger dans le casquette pas à peu près. Et là, Sid qui trouve ça drôle avec Yoko et Crush. Et euh, Mr. Fuji va aller sur le bord du cercueil. Il va réouvrir le cercueil pour voir si Taker est bien magané. Et en ouvrant le cercueil, Taker est plus là. Et, et c'est comme un genre de. Comme un genre de pantin habillé en sumo, là, comme Yokozuna. Et là, ça va faire peur à Yokozuna. Yokozuna va voir ça avec Mr. Fuji. Et euh, les gars vont juste s'en aller. Donc, euh, Yokozuna qui a, peur de, euh, qui a peur de ça, qui, qui se voit lui-même dans le cercueil maintenant. Comme un, un, un genre de grosse poupée sumo. Donc, Yoko va s'en aller avec son manager. 78. Ah, j'ai mis ça avant. Whoopsie, 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 whoopsie. C'est le match! <laughs> le match! Euh, street fight entre les Legion of Doom contre les Head -Shrinkers. Ils vont se promener un peu partout là, dans le et Ils vont se battre. Ils vont, ça va être un match pour hommes. Euh, Fatou va manger un crazy bomb. Samu va avoir un stand bomb. Les deux Headshrinkers vont se faire décalisser par les Legion of Doom, mais euh, ils sont quand même bien battus. Mais les Legion of Doom vont aller chercher la victoire en 17 minutes 35 lorsque Hawk va défendre Fatou avec un Doomsday device. Et euh, victoire des Legion of Doom. 90, un excellent match. Et là, j'ai mis le segment pas à bonne place. Mais les Steiner Brothers vont arriver par la suite euh, dans le ring pour euh, féliciter les Legion of Doom. Et ils vont lever leur main et les Legion of Doom qui vont donner la main aux Steiners. Euh, donc voilà un autre segment là, qui rapproche les Legion of Doom des Steiners. Ça va arriver à un moment donné cet idle match-là, peut-être. Annemon va améliorer ses Rumble Skills et Fatou, ses performance skills. Par la on s'en va backstage. Le Big Bossman est avec Hakeem, Dustin Rose et Barry Windham, donc euh, l'équipe du Bossman qui bat contre la Corporation depuis longtemps. Et ils vont parler du Royal Rumble. C'est chacun pour soi ce soir. Ils n'hésiteront pas les quatre hommes à se battre l'un contre l'autre. Même chose est sûre, si la Million Dollar Corporation met leur gros nez dans leurs affaires, eh bien, c'est sûr que ça va leur faire plaisir d'éliminer les trois membres de la Corporation. Ça donne un 100%. Recruit fait une promo par la suite, euh, parle du Royal Rumble et Recruit qui dit que c'est sa destinée, là, il est revenu à la WWF pour redevenir champion WWF, pour devenir, il dit il y a eu du succès ailleurs, il dit là euh, le Ravishing Recruit c'est fini, c'est Recruit sérieux et euh, gagner le Rumble, ben, c'est sûr que ça placerait Recruit à la bonne place pour aller chercher son titre et... Euh, Recruit qui se drape pas là, s'il voit Mr. Perfect, il va le sortir. Il dit Mr. Perfect, c'était le Recruit Perfect, c'est terminé. Ce soir, je sens Mr. Perfect, je ne peux rien savoir de lui. 100%. Et le Royal Rumble. Et on nous dit que euh, avant que le Rumble arrive, là, et je savais qu'on allait juste avoir un, un, un mauvais score parce que c'est ça l'affaire. C'est que le Rumble il y a tellement de monde dedans que ça marche pas. Bon, je vais euh, décrire ce qui se passe dans le Rumble quand même. Euh, on, on, et on apprend que Yokozuna a quitté, a quitté l'aréna. Le, 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 Il a eu tellement peur de ce qui s'est passé. Donc Yokozuna est remplacé par Bobby Eaton pour le Rumble. Donc c'est ça qu'on euh, qu se fait dire. Et euh, voilà, le Royal Rumble commence. Entrée numéro 1, le Heartbreak Kid, Shawn Michaels, qui va rentrer premier. Le champion intercontinental. Euh, donc première entrée, Shawn Michaels. Et là, Shawn Michaels fait ses simagrées dans le ring. Ça pose tout le kit. Et on entend la musique de l'entrée numéro 2. Et pas oh au Shawn Michaels. L'entrée numéro 2, ben, ça me dit que c'est arrangé. C'est Lex Luger. Lex Luger qui va faire son entrée. Et là, Shawn Michaels, oh boy, là, le, 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 le showstopper a comme changé de face. Euh, Luger arrive au grand désespoir de Shawn Michaels. Et là, Luger va dominer Shawn Michaels pendant un bon 45 secondes. Et Luger va prendre Michaels dans un gorilla press slam. Shawn Michaels va rake les yeux de Lex Luger. Et euh, Luger va être sur le bord des cordes Shawn Michaels va y aller pour son Sweet Chin Music Pour sortir Luger Luger va se pencher, va attraper Michaels Rack à torture, et là Luger va faire Le rack à torture à Shawn Michaels Un bon 30 secondes Et euh, va le laisser euh, au sol par la suite Michaels est, est mal en point Le rack à torture, toute la kit Se relève sur le bord des cordes Lex Luger va se lancer Badaboom, close line Shawn Michaels éliminé Avant que l'entrée numéro 3 arrive donc, un gros coup de théâtre. Lex Luger qui rentre deuxième, qui élimine Sean Michaels. Il avait piné Michaels deux fois. Et Michaels avait coûté le match à Luger contre Yokozuna. Luger a sa revanche en éliminant Sean Michaels. Et Sean Michaels ne veut pas lui donner le title match. À un moment donné, il n'y aura pas le choix. Donc, Luger qui close line Michaels à l'extérieur du ring. Sean Michaels éliminé. Euh, entrée numéro 3. Gigolo Jimmy Del qui arrive. Donc, Del qui arrive. Et euh, va réussir à sniquer euh, un peu contre Luger, mais Luger est beaucoup trop fort pour Jimmy Delray. Luger va reprendre le contrôle, va prendre Delray au bout de ses bras et va le garocher à l'extérieur du ring. Deuxième élimination pour Lex Luger. Jimmy Delray est éliminé. Entrée numéro 3. <truits> Diesel fait son entrée. Entrée numéro 4, pardon. Diesel, oh boy, là, Diesel avec Luger, c'est un duel de titan euh, <coughs> Diesel va prendre l'avantage un petit peu parce que. Euh, Lex Luger est euh, quand même un petit peu euh, Il s'est quand même battu contre deux autres hommes Et euh, Diesel va se placer Pour le Jackknife Et euh, Luger Va faire le surpassant par dessus les épaules Va réussir à, ben pas par extraordinaire, Mais il va surpasser Big Daddy Cool Diesel et le Sean Michaels va, va revenir, va faire un switch Chin Music euh, À Lex Luger Et Michaels va quitter Big Daddy Cool Diesel va ramasser Luger et va le pitcher à l'extérieur du ring. Donc, Diesel va éliminer Lex Luger. Donc, Luger, Shawn Michaels est éliminé par Luger au début. Luger sort d'El Diesel arrive. Shawn Michaels fait son retour pour un switch-in music. Et Diesel va éliminer Lex Luger. Donc, on commence peut-être un une petite alliance avec Diesel et Shawn Michaels. Qui sait Mais chose est sûre, c'est que la rivalité Michaels-Luger va, va se continuer certainement. Donc Diesel va éliminer l'ex-Luger. Entrée numéro 5, Phil Laffont. Phil Laffont va faire son entrée des de Canam Express. Va tourner un petit peu autour de Diesel. Euh, ça va durer jusqu'à temps que la prochaine, arrivée, euh, la prochaine entrée arrive, mais euh, juste avant, Big Naddy Cool va réussir à faire un big boot à Laffont. Jack Knife et va sortir Phil Laffont. Deux éliminations pour Luger, pour Diesel. Et euh, entrée numéro 6, Mr. Bob Backland. Donc, Backland qui arrive et là, Backland qui tourne autour de Diesel. Réussit à le contrôler un peu. Comme il réussit à faire le, la prise de l'aile de poulet, mais Diesel est trop fort. Va se relever, euh, va mettre Backland sur son dos, va se lancer dans le poteau. Bada boom, Backland qui est écrasé. Euh, Diesel va euh, prendre Bob Backland. Jackknife Powerbomb. Mister Bob Backlin, troisième élimination pour Diesel, donc on essaie de booster un peu Diesel dans le Rumble. Après numéro 7, c'est le British Bulldog, Davey Boy Smith. Et là, ça change, là. là c'est un gros nom contre euh, notre ami Diesel. Bulldog arrive et là, Diesel change de face un peu. Un autre gros duel. Euh, Diesel va quand même avoir un peu l'avantage. Mais à un moment donné, Bulldog va ducker un clothesline, va réussir à prendre Diesel sur ses épaules. Running Power Slam. Et Diesel va être sur le bord des cordes. Le Bulldog s'élance, coup de la corde à linge. Diesel éliminé. Donc on donne quand même trois éliminations à Diesel. Mais euh, Davy Boy Smith, à ce moment-là, est beaucoup supérieur à Diesel. Et est dans nos top babyface. Donc, le Bulldog élimine euh, Diesel. Le Bulldog est tout seul dans le ring. Entrée numéro 8, Recruit. Rick Rude. Rick Rude arrive et là, deux de nos top de la compagnie. Ils vont se battre un contre l'autre et personne ne va se faire éliminer. Entrée numéro 9, Rick Martel de Model. Martel arrive et là, on sait que Mod euh, Rick Martel est le Bulldog. Hein, ça date de combien de temps cette rivalité-là Ça date de longtemps. Martel va arriver, Chop Block au British Bulldog. Et là, ça va être un une minute et demie à deux contre un euh, de. Rick Martel et Rick Root qui vont attaquer le British Bulldog. Personne ne va se faire éliminer par contre. Entrée numéro 10, Flying Brian Pillman. Brian qui fait son entrée. Et là, on tombe à 2 contre 2. Brian Pillman qui va aider son boy, le British Bulldog. Et là, on est à 2 euh, contre 2. Donc, un, un, un bon duel euh, qui se passe présentement. Et 4 euh, top-tier guys qui sont dans le ring. Personne ne fait éliminer. Entrée numéro 11, Tom Pritchard, Dr. Tom Pritchard, donc le deuxième membre des Heavenly Bodies et euh, ami de Rick Martel. Et euh, donc euh, le Bulldog va être sur le point de sortir Rick Martel. Martel est sur l'épreuve. Bulldog va réussir à donner un close-line à Martel, mais Martel va tomber. Euh, euh, tom Pritchard va retenir Martel. Donc Martel qui est sur l'épreuve va tomber comme un, un petit peu euh, à l'extérieur, mais euh, Pritchard va réussir à, à retenir. Rick Martel. Donc, euh, Martel va revenir dans le ring avec Temperature. Et là, ils vont attaquer euh, 3 contre 2. Donc, euh, il va venir aider son, son boy, Rick Martel. Et personne ne s'est fait éliminer. Après ça, entrée numéro 12, Doug Furnace. Donc, le deuxième, deuxième homme des Canam Express arrive. Et là, on est, un petit peu, on est un petit peu un 3 contre 3. 3 il 3 face. Personne ne s'est fait éliminer encore. Entrée numéro 13, le, le Black Heart, Owen Heart, fait son entrée. Et là, Owen Hart arrive et Owen s'en prend directement à Doug Furness et va éliminer Doug Furness. Le Bulldog de son côté va donner un close-in à Tom Richards pour l'éliminer. Et là, le regard de Bulldog et de Owen va se croiser. Et encore une fois, Martel va se lancer dans les jambes du Bulldog. Euh, Bulldog va résister un petit peu quand même, voit Martel venir. Je ne fais pas avoir deux fois par la même tactique, donc il va commencer à beat down Martel. Mais Owen Hart va donner un low blow au Bulldog de l'autre côté. Et euh, Owen Hart et Rick Martel vont sortir le Bulldog entre la deuxième et la troisième code, donc il n'est pas éliminé. Et ils s'en vont dehors. Et là, euh, Owen Hart prend une chaise, et là on sait que Rick Martel a envie au Bulldog depuis longtemps, lui de aussi. Et badabang, coup de chaise sur le British Bulldog. Donc le Bulldog est à l'extérieur du ring, pas éliminé. Owen Hart et Eric Martel sont en train d'attaquer le Bulldog. Pendant ce temps, on a Pillman et Eric Rude dans le ring. Entrée numéro 14, Big Josh. Donc Big Josh fait son entrée et là, Brian Pillman va sortir du ring pour aider euh, son boy le British Bulldog. Il va réussir à avoir le dessus sur Rude sans en bas du ring pour aider le Bulldog, mais en même temps que Big Josh rentre. Donc Big Josh Big Josh va agripper Pillman dans un bear hug. Pendant ce temps-là, Owen Art et Rick Martel euh, vont continuer de donner toute une volée au Bulldog. Et une fois que le Bulldog a mangé une coupe de chair shot, ils vont le rentrer dans le ring. Et euh, Martel et Owen Art ensemble vont prendre le Bulldog dans leurs bras et vont éliminer le British Bulldog. Donc après le gros beatdown que le Bulldog a eu contre Martel et contre Owen Art, il va se faire éliminer par les deux hommes et là Martel et Owen Hart qui se tapent dans les mains et Rick Martel va faire son petit signe du modèle comme quoi que hey 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 j'ai finalement éliminé le Bulldog Owen Hart va en profiter agrippe Martel par les culottes et Owen Hart va sortir Rick Martel donc voilà comment ça, 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 ça se passe le Bulldog est out et Owen va éliminer Rick Martel euh... donc il reste dans le ring présentement euh, Brian Pillman Owen Hart Rick Martel et Rick Rude. donc 3 heals contre le pauvre Brian Pillman. Entrée numéro 15, Dustin Rhodes. Donc Dustin Rhodes fait son entrée, un autre de nos nouveaux. Et euh, Rhodes va arriver, va aider un petit peu Pillman. Euh, mais euh, là, écoutez, ils sont, euh, ils sont, ils sont quand même 3 contre 2. Euh, Roode va en profiter pour garrocher Pillman à l'extérieur du ring, mais encore une fois, euh, pas par-dessus. Et euh, Dustin va être 3 contre 1 dans le ring. Il va en manger Totten. Entrée numéro 16, Hakim. Donc, Hakim, Hakim qui est un petit peu un stablemate, si on veut, euh, de Dustin Rhodes. Hakim va arriver. Et là, Hakim va être comme 1 contre 3 parce que les, les deux autres gars sont down. Mais il va réussir, à, le gros Hakim, à prendre un petit peu le contrôle. Et euh, voilà. Donc, 3 contre 3. Hakim va dominer. Money Recruit va faire un, un, un chat block au gros Hakim qui va tomber sur un, sur un genou. Pendant ce temps-là, euh, Dustin Rhodes en profite et va donner un close-end à Big Josh à l'extérieur du ring. Donc, Dustin Rhodes va éliminer Big Josh. Entrée numéro 17. Bam, bam, Bigelow. Bigelow arrive et on retombe à trois faces contre trois heels. Euh, et là, on a le duel entre Bam, bam, Bigelow et Hakim qui se regardent à un moment donné. Hein? Ils ont été contre les deux euh, pendant longtemps. On a Recruit qui est un peu contre Dustin Rhodes et Owen contre Brian Pillman. Personne ne s'est fait éliminer. Entrée numéro 18, Tatanka. Donc, est-ce que le Million Dollar Man s'est arrangé Tatanka fait son entrée et euh, va se joindre à Bam Bam Begalo. Ils vont être deux contre à deux contre Kim. Personne ne s'est fait éliminer encore. Entrée numéro 19, Adam Bomb. Adam Bomb s'amène et il y a un genre de duel entre Adam Bomb et Dustin Rhodes. Il va ensuite joindre la Million Dollar Corporation, à attaquer 3 contre 1 à Kim. Donc son trois contacts, qui, en ce temps là Brian Pillman va s'nicker en arrière d'Adam Bomb, va lui donner un dropkick et Adam Bomb va sortir du ring. Brian Pillman va éliminer Adam Bomb. Et euh, Brian Pillman va euh, se lancer sur Owen Hart par la suite. Pillman va, va réussir à faire passer Owen Hart par-dessus les cordes et là va essayer vraiment de l'éliminer. Rick Rude va arriver dans le dos de Pillman et Rick Root va éliminer Brian Pillman quand Pillman essaie d'éliminer euh, Owen Hart. Donc voilà, entrée numéro 20. La musique de Bret Hart se fait entendre, là Hitman-Bret Hart arrive, Owen Hart capote hein? Owen Hart ne sait plus quoi faire, il entend la musique du Hitman Bret Hart arrive, double close line au euh, Million Dollar Corporation Et là Big Josh va attaquer Bret Hart, va euh, mettre Bret Hart dans les cordes Va vouloir le sortir mais Bret Hart va juste surpasser Big Josh par-dessus la troisième corde Et Owen Hart va réussir à attaquer Bret dans le dos, va se mettre en position de sharpshooter mais euh, Brett va co contrer le Sharpshooter. Hein, C'est lui le master du Sharpshooter. Brett se, re se relève. Owen Hart va arriver pour faire un crossbody pour sortir Brett. Brett va se pencher. Owen Hart éliminé par le sa troisième corde Donc Brett qui rentre, élimine, élimine Big Josh et son frère Owen Hart, Back to back. Entrée numéro 21, Jacques Rougeau. Jacques Rougeau va arriver, il va attaquer un petit peu tout le monde. Euh, la Million Dollar Corporation et Rude vont attaquer Brett tandis que Dustin est aux prises avec Rougeau. Entrée numéro 22, Mr. Perfect Perfect arrive, va sauter sur Recruit, va l'attaquer. Perfect va attaquer la Million Dollar Corporation. Euh, et là, il, il va se retourner encore contre Rude. Rude va prendre le contrôle, va se mettre pour son Rude Awakening. Mr. Perfect va contrer et va éliminer Recruit. Ah, dès son arrivée, donc Rick Rude éliminé, on continue la rivalité, Rick Rude contre Mr. Perfect Et pendant ce temps-là, en même temps, Bret va agripper Jacques Rougeau par en arrière et va l'éliminer Donc là, il reste euh, qui dans le ring? Il reste Mr. Perfect, il reste Bret Hart, il reste euh, Tatanka, Bam Bam Bigelow, Dustin Rose Et Rick, non Rick Markle, il hey, est out. c'est tout, that's it euh, ok, donc entrée numéro 23, le bad guy, Razor Ramon Razor Ramon arrive et attaque un petit peu tout le monde. Et euh, après, on a Brett et Perfect contre la Million Dollar Corporation. Et Razor Ramon contre Dustin. Et euh, Dustin contre Razor, ça me donne un bon one-on-one. -on -one. Mais Razor réussit à éliminer Dustin Rhodes. Entrée numéro 24, IRS. IRS arrive. Et là, on a les trois membres de la Million Dollar Corporation et Razor Ramon qui vont attaquer les deux faces, Brett Hart. Et Mr. Perfect. Par la suite, entrée numéro 25, le Big Boss Man. Boss Man arrive avec sa matraque. Il y a trois membres de la mine Corporation. Dans le ring. Boss Man arrive avec la matraque. Et, euh, et, et, et dès que Boss Man arrive, le Razor va, va le voir arriver. Il va sortir en dehors, des, de, en dehors de, euh, de la première corde, à l'extérieur du ring. Il veut rien savoir de ça. Les Corporation qui célébraient l'ont pas vu venir Et là, euh, Bossman va se donner Badabang, coup de matraque, badabang, coup de matraque Tête DeBiase va monter sur l'apron Et il va manger lui aussi un coup de matraque Par contre, il y a Kama qui va arriver De l'autre côté que euh, Bossman n'a pas vu Il va donner un coup de chaise Dans le dos du Big Bossman Et euh, Gorilla Monsoon va arriver Et va expulser Kama, il va dire à Kama Écoute Kama, si tu sors pas euh, Ou Vince McMahon plutôt Parce que Monsoon est commentateur euh, J'avais mis Alfred Days mais Alfred Days n'est plus là Donc Vince McMahon va expulser Kama va dire que si Kama s'en va pas de backstage, il va être suspendu Kama va s'en aller Et l'entrée numéro 26 Barry Windham Avant que Windham puisse rentrer dans le ring La Million Dollar Corporation va éliminer le Bossman 3 contre 1 Donc le Bossman qui ne fait pas long feu Dans le Rumble Comparé à l'année passée qui était dans le Final tree Par suite, Barry Windham va rentrer dans le ring Avec son Bull Rope Hein? bah que là il est pas, pas, pas de bonne humeur, les coûte de chair c'est de la il, il arrive avec la cloche, avec la cloche à la vache Bada bang il va attaquer un peu tout le monde Bear Wyndham va sortir Tatanka Et en même temps Mr. Perfect va sortir Bam Bam Bigelow Donc la mine Dollar Corporation Perfect sans Bigelow, Wyndham sans Tatanka Et euh, Razor Raymond en même temps que Mr. Perfect élimine Bam Bam Bigelow Raymond va arriver dans le dos de Perfect et va l'éliminer donc, Tully Blanchard arrive et Tully Blanchard va attaquer euh, Bret Hart et Barry Windham. Personne n'est éliminé. Entrée numéro 20, ça, euh, 27, Tully Blanchard. 28, Bobby Eaton. Donc, Bobby Eaton qui arrive et va attaquer Tully pendant que Bret est aux prises avec Razor et IRS avec Barry Windham. Entrée numéro 29, AA Arn Anderson. Anderson arrive et on se retrouve à 3 faces contre 4 Hill. Et euh, Double E va aider Tolly à attaquer euh, Bobby Eaton. Et euh, voilà, pas d'élimination. Et l'entrée numéro 30, donc Macho Man, Randy Savage, dernière homme à Donc là, on a 8 personnes dans le ring. Randy Savage, Arn Anderson, Bobby Eaton, Tolly Blanchard, Barry Windham, IRS, Razor Ramon et Bret Hart. Bret Hart étant celui qui a passé le plus de temps dans le ring pour l'instant. Et là, on a notre Final 8. Les Brainbusters vont réussir à éliminer Bobby Eaton à 2 contre 1. En même temps, Barry Windham va éliminer IRS par la cravate. Donc on se retrouve à 6. Ethan est out. Et IRS est out. Les Brainbusters vont par la suite double team Barry Windham. 2 contre 1 pour l'éliminer. Donc ça fait deux, deux personnes que les Brainbusters double team pour le sortir. Donc Barry Windham est éliminé. On a le Final 5 maintenant. On a Razor Ramon qui team up avec les Brainbusters pour attaquer euh, les deux faces. Randy Savage et Bret Hart. Randy Savage va esquiver. Le Spike Pile Driver là, des Brainbusters et euh, Double Team des Busters, double Team Razor à la plan. Euh, Macho va éliminer Blanchard et Double E back-to-back. -back. Donc Macho Man qui, qui évite le Spike Pile Driver et va, euh, disons que Anderson arrive pour le close line. Savage va le sortir. Il va sortir Tali en premier, Il va sortir Arn Anderson après. Donc, Arn Anderson qui ferait partie du Final Four, mais il se fait éliminer en même temps. Donc, on a notre Final Three Bret Hart, Razor Ramon et Macho Man Randy Savage. Et là, les trois tournent autour l'un de l'autre un petit peu. Tu sais, ils pointent le signe de WrestleMania. Ça tourne autour. Et là, Owen Hart va arriver avec une chaise. Et Owen Hart n'a pas le temps de rentrer dans le ring que le British Bulldog arrive à la course. Et le British Bulldog va, va rusher Owen Hart, va lui faire un genre de spear à l'extérieur du ring. Et là, tout le monde voit ce qui se passe. Et. Euh, donc le bulldog qui euh, empêche Owen Hart d'interférer parce qu'il bulldog il y en a mangé une bonne contre Owen tantôt va prendre Owen Hart sur son épaule comme s'il faisait son running power slam et va l'amener backstage dans le vestiaire et euh, voilà. temps ah. là Bret Hart et Matchoman vont double team Razor un peu. Bret en profite pour faire son euh, Russian leg sweep à Razor Ramon et Man va monter sur la troisième corde. Pour euh, annoncer la descente du code, Brett regarde Razor, euh, qui va regarder ça aller. Hein? Il va regarder Macho. Il va pointer sur Razor. Est-ce que Bretton va sortir Macho Et non. Il va laisser Macho y aller avec la descente du code, Diving elbow drop à Razor Ramon. Donc Brett et Macho qui semblent vouloir éliminer Razor avant de faire le final 2. Les deux vont mettre Razer sur la barre des câbles. Mais Razor et Karyash. Et euh, pendant ce temps-là, les deux essaient d'éliminer Macho Man va arrêter de va lâcher le Razer. Il va aller dans le dos de Brett. Va essayer d'éliminer Bret Hart, de sneaker une petite élimination. Et Bret Hart est rendu sur l'apprentissage, mais il se tient par les cordes. Razer va reprendre ses esprits. Il va donner un close line à Macho Man. Euh, euh, reprendre ses esprits. close line Macho. Et euh, il fait un Razer's Edge à Macho Man. Il tente de le sortir, mais Macho Man est tenace, puis il reste sur l'Apren. Et là, euh, pendant que Macho Man est sur l'Aprint, Razer va faire son sleeper hold à Matchoman. Donc euh, Macho Man qui est de l'autre des cordes sur les print. Razor qui fait le sleeper hold. Et Macho Man va s'endormir et tomber à l'extérieur. Donc Razer Ramon élimine Randy Savage. Et on se retrouve. Razer contre Brett, Final 2. Bret Hart va tenter d'éliminer euh, Razer. Razer qui est solide et qui va contrer. Razer va faire son choke slam à Bret Hart. Follow slam se préparer pour le Razor's Edge et Bret Hart va réussir à esquiver le Razor's Edge pour pogner Razor par les culottes et le sortir. Le Hitman Bret Hart va bien sûr gagner le Royal Rumble. Je ne sais pas, c'était un petit peu prévisible peut-être. Donc, leitman Bret Hart qui gagne le Rumble dans le Final Four. Aaron Anderson qui s'est fait éliminer des Brainbusters qui ont fait un bon job. Donc, on veut les positionner comme étant forts. Et le Final Three, match omen, se fait éliminer par Razor et Bret Hart élimine Razor Ramon. Donc, Bret Hart gagne le Royal Rumble. C'est Bret Hart qui a le plus d'éliminations avec 4. En plus, ça donne un 84 pour le match. C'était quoi le change? la gimmick pour Razor Ramon? Donc, ça donne un 84. Bret Hart va donc affronter Psycho Sid à WrestleMania dans un rematch Et Bret Hart qui célèbre C'est comme ça que ça se termine Bret Hart célèbre sa victoire Ça donne un 90 On n'a pas de commentaires pour le show Je pense que juste 90 c'était peut-être pas assez Pour aller chercher des fans Ouf. Euh, On a donné une bonne performance à Owen Scott Steiner et Rick Steiner parce que les Steiners nous ont donné un 100, les deux. Great performance, great performance, great performance. Voilà. Bon, hey, C'est compliqué de te dire ce qui se passe dans le Rumble. En tout cas, c'est compliqué, mais euh, Bret Hart l'emporte et Bret Hart va affronter Sid à WrestleMania pour aller rechercher son titre. Hein? Oh, Sergeant Slaughter qui annonce sa retraite. On a fini premier euh, sur deux aux États-Unis et on a fini deuxième sur trois au Japon dans nos National Battles. Euh, Mr Perfect qui dit que Carl Styles il a pas et Brian Pillman qui dit que Lightning ne connecte pas avec les fans. Bon, c'est comme ça que se termine notre pay-per-view, le Royal Rumble. Donc euh, les Steiners qui l'emportent, nouveau champion par équipe. Bret Hart gagne le Rumble. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit pour le prochain euh, vidéo. On va commencer le mois de février. Au mois de février, on a In Your House à la fin du mois. Euh, il n'y aura pas tant de gros affaires. En fait, le ne va pas défendre son titre non plus. Mais il va quand même avoir des bons matchs. Mais c'est sûr qu'on build pour WrestleMania en même temps. Donc euh, voilà. On va se revoir dans la prochaine vidéo pour commencer le, gros, le, le build final pour WrestleMania. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine, tout le monde.